Yahoo Dimancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi et on va parler de Amour sous la pluie. Le manga Amour sous la pluie est un one-shot des éditions Boys Love dans leur collection Anna. Nous sommes sur un manga dans le genre romance et érotique. La série date de 2016 au Japon et de mai 2019 en France. Et nous sommes sur une série qui est H-conseillée aux 16 ans et plus. En ce qui concerne le mangaka, nous sommes avec Rihara et comme d'hab, je sais jamais si l'auteur a écrit autre chose ou pas. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures. Je te dirais que l'ensemble de l'avant et de l'arrière de la jaquette que j'ai pu voir donc sur le site de Bozov ont réussi à m'achever et à me convaincre d'acheter, car en lisant juste le résumé, j'avais une petite hésitation. Car oui, en fait, il faut savoir que quand je vois les nouveautés de Bozov, je vois la liste de qu'est-ce qui va sortir dans le mois qui arrive. J'ouvre tous les onglets des titres, même que j'ai pas déjà lu. Au niveau du résumé, j'ouvre tous les onglets, je lis tous les résumés. Et après, je me rends compte de qui est quoi, en fait. Au niveau du nom et du nom du mangaka, ou même de l'image l'image de la jaquette, en fait. Je descends directement à la partie résumé et voilà, je fais ma sélection comme ça. Et après, je regarde, du coup. Et donc, au final, c'est vraiment... Le résumé m'a fait... J'étais à mon... Peut-être, mais bon, je sais pas trop. Enfin, j'avais un petit peu envie aussi de pas trop acheter ce mois-ci au niveau des mangas, des yaoi, parce qu'en même temps ça commence à me coûter un bras et je m'en sors plus du tout financièrement. Et donc j'étais en train d'hésiter à essayer d'être raisonnable et d'en virer un en fait dans ma liste. Et quand j'ai regardé la jaquette, j'étais à ok, lui c'est sûr et certain, je prends, tant pis. Voilà. Donc ce que j'aime au niveau de l'illustration, c'est que à l'avant on a donc l'élève qui est amoureux de l'infirmier, on a l'infirmier qui est ici et qu'on retrouve un petit peu voilà, sur le côté, et on a le fameux élève qui va aider l'autre au niveau de l'aventure et qui intervient dès le début de la série. Mais ce que j'ai aimé, c'est que dans l'aventure, on suit et on découvre un quatrième personnage un peu plus tard, un peu plus loin, et je l'ai trouvé à l'arrière, et donc ça j'ai trouvé ça juste génial. Ce que j'ai aussi énormément aimé, c'est que du coup l'illustration se prolonge tout au long des quatre côtés de jaquette, et ça je trouve ça juste magnifique. Et c'est surtout le fait que le personnage ici soit vraiment en recul par rapport aux autres, parce que ça correspond tout à fait au scénario, et ça c'est quelque chose que j'adore, parce que je suis quelqu'un d'assez pointillé au niveau de ce genre de détails. Pour ce qui est de qu'on enlève la jaquette, on se retrouve juste avec notre élève amoureux et du personnage qui va l'aider au niveau de cette aventure et qui va le soutenir jusqu'au bout. Donc j'ai trouvé ça plutôt beau et assez mignon. Quand on ouvre le manga, on se retrouve avec une sublime illustration, on comprend tout à fait ce qui va se passer à l'intérieur de la série et où, comment se place en fait l'infirmier par rapport à ses deux autres élèves, et je trouve ça plutôt cool. Quand on tourne la page, on atterrit donc sur la page de sommaire, et donc le quatrième personnage, une fois de plus, n'est pas abandonné. Certes, on a encore récupéré cette fameuse illustration. J'aurais bien aimé qu'on ait une nouvelle illustration de lui, comme on a eu une nouvelle illustration juste avant, ce qui aurait pu nous mettre un petit peu plus en valeur, mais c'est pas très grave. Le sommaire, très simple, très basique, mais très efficace. Et on commence directement la série avec juste une illustration de l'école. Qu'on ouvre donc après, on atterrit directement sur l'aventure. On attaque cette partie avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirais très clairement qu'elle est plus que agréable. Mais après, ça ne va pas avoir non plus la méga note, parce qu'il y a quelques petits détails qui, personnellement, font que je ne vais pas non plus mettre un 10 sur 10 au niveau de la qualité du dessin. Elle est sympa, mais ça ne vaut pas un 10. Et donc voici ma note. Pour ce qui est de mon avis sur le manga, alors il faut savoir en fait que en soi, j'ai adoré l'idée, j'ai adoré le scénario, parce que ça permettait vraiment de réfléchir à pas mal de choses. On est donc sur les aventures d'un jeune homme qui a complètement craqué sur l'infirmier de l'école et donc passe tout son temps libre dès qu'ils ont une pause au niveau des cours, entre midi et deux, etc. Être aîné avec lui, et celui-ci accepte plus ou moins ses avances. Mais un de ses camarades de classe va le prévenir et lui dire justement de faire attention, parce que entre un adulte et un enfant, je mets entre grands guillemets parce qu'ils sont quand même lycéens ou fac, enfin voilà, ils sont pas non plus en couche pampers quoi. Mais de faire attention, parce que ce genre de relation là, ça sert à rien, ça aboutit à pas grand chose, et donc d'éviter en fait de se faire mal au niveau du cœur, etc. Ce que j'ai aimé, c'est justement l'envers du décor et justement quelle est la réelle image et quelle est la vraie nature plutôt de l'infirmier et qui il est réellement, parce qu'au départ on nous montre un gentil petit mouton et on se rend compte que c'est plutôt un gros loup. Donc voilà en ce qui concerne ça. J'ai vraiment adoré le principe
de la série et le scénario. Malheureusement, en fait, il y a la réalité et ce qu'on nous explique de pourquoi l'infirmier agit comme ça et pourquoi l'infirmier est ainsi, qui a fait que je trouve que ça a gâché absolument toute l'histoire. Donc en soi, j'avais adoré, j'étais sur un gros coup de cœur. Pas méga ni giga, mais un bon gros coup de cœur. J'étais pas loin du méga. Mais malheureusement, cette information, cette révélation m'a absolument tout brisé et a fait que je suis arrivée sur une conclusion de j'adore. Peut-être j'adore énormément, mais je n'entoure pas la classe des coups de cœur au final. Et ça, ça a fait vraiment que j'ai été énormément déçue par cette série. Pour ce qui est des caractères des personnages, on les développe, mais pas tant que ça. On ne sait pas grand chose et je trouve qu'un deuxième tome aurait permis de mieux aboutir certains détails. Ce que j'ai aimé, c'était quand même que au final, il y ait ce personnage en plus que l'on retrouve donc sur la couverture qui apparaissent et qui permettent d'aider le personnage principal, le personnage donc qui est tombé amoureux de l'infirmier, et ça permet de l'aider, de changer la vision des choses et d'accepter en fait cette douleur, cette souffrance amoureuse. Et donc ça, c'est vraiment plutôt sympa. Mais en ce qui concerne l'intégralité de cette œuvre, j'ai donc été énormément déçue. La note. J'ai pas grand chose à dire. De toute façon, les résumés, je suis une catastrophe pour ça. Donc je t'invite à aller voir dans la barre d'infos pour avoir un vrai résumé. Et je ne saurais pas trop quoi te dire de plus, à part que voilà, j'ai été déçue. Je m'attendais à mieux. Et honnêtement, c'était bien parti pour. Mais la révélation sur l'infirmier était vraiment pas bien choisie au niveau du scénario, je trouve. Cette présentation du manga Amour sous la pluie est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Je sais que certains panchas ont déjà lu cette œuvre, donc si jamais tu as déjà lu ce manga, n'hésite pas à nous mettre ton avis en commentaire. Ça me permettra de découvrir ta vision des choses et aussi de guider les panchas pour savoir s'ils doivent acheter ou pas cette série. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'hésite pas à aller voir les deux dernières vidéos Boys of Yaoi que j'ai pu faire sur la chaîne. Et sur ce, je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Yaoi. Bye bye!